Voici venir le Seigneur souverain. Il aura pour nom Emmanuel, car il sera Dieu avec nous. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi en ce matin, paix et joie de là où tu te trouves. Que l'amour de notre Seigneur déborde en toi encore en ce matin. Et nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unisson de cœur et d'esprit, avec tous nos anges gardiens, avec tous les saints et les saintes du ciel. En ce matin, bien-aimé de Dieu, tout simplement, au fond de toi, demande au Dieu Père, tout comme il a envoyé l'ange Gabriel, porteur de bonnes nouvelles, aller annoncer la venue du Messie à la bienheureuse Vierge Marie. Demande à ce que le Dieu Créateur, en ce matin, envoie également son ange au-devant de toi. Que son ange vienne t'apporter la bonne nouvelle de son royaume. La bonne nouvelle du Messie tant attendu. La bonne nouvelle de cet Emmanuel que nous nous préparons à accueillir. Que par sa venue, que ce soit de bonnes nouvelles que nous accueillons également dans nos vies, au sein de nos foyers, au sein de nos familles. En ce matin, Dieu Créateur, Dieu Père, nous avons besoin que tu viennes visiter tout un chacun de nous. Que tu envoies tes anges devant tout un chacun. Que nous puissions être des porteurs de bonnes nouvelles. Des porteurs de bonnes nouvelles au sein de nos nations. Des porteurs de bonnes nouvelles au sein de nos foyers, au sein de nos familles. De la même façon que l'ange Gabriel est allé à la rencontre de la bienheureuse Vierge Marie, nous avons besoin que cet ange-là vienne à la rencontre de tout un chacun, afin que nous soyons véritablement des porteurs de bonnes nouvelles, des porteurs d'amour, des porteurs d'espoir, d'espérance aux choses du ciel, des porteurs de paix, des porteurs de miséricorde, des porteurs tout simplement des délices qui viennent de toi, de ton royaume. Dieu Père, en ce matin, telle est la prière qui monte de nos cœurs, telle est la prière, tel est le soupir que nous t'adressons en ce matin. Emmanuel, ouvre les écluses pour la pluie de délivrance. Emmanuel, ouvre les écluses pour la pluie de délivrance. Emmanuel. Emmanuel, en ce matin,
mains levées. Dans ta présence, nous te disons, nous t'attendons, nous te voulons. Mains levées vers le ciel, dans ta présence, nous te disons, Emmanuel, ouvre les écluses des cieux dans nos vies. Ouvre les écluses des cieux dans nos foyers. Par ta venue, viens ouvrir les écluses de nos vies. Que ton ciel vienne s'ouvrir au sein de nos foyers. Que ton ciel vienne s'ouvrir au sein de nos nations. Que ton ciel vienne s'ouvrir sur tous ces malades qui sont couchés dans les hôpitaux. Que ton ciel vienne s'ouvrir sur ces orphelins qui auraient souhaité avoir père et mère. Que ton ciel vienne s'ouvrir sur nos familles, Emmanuel. Nous avons besoin que tu viennes ouvrir, Seigneur, ton ciel, afin que la pluie de délivrance tombe sur lui, que la pluie de libération tombe sur chacun de nous, qu'une pluie d'amour tombe sur chacun de nous, afin que nous puissions, Seigneur, en donner autour de nous. Emmanuel, Emmanuel, entends le cri de nos cœurs. Emmanuel, entends le soupir de nos âmes. Emmanuel, entends cette femme qui crie en toi ce matin. Entends cet homme qui crie à toi en ce matin. Entends cet enfant qui gémit en te disant, Emmanuel, ouvre ton ciel sur moi. Ouvre ton ciel sur moi. Afin que la pluie de délivrance, la pluie de guérison, une pluie d'amour, Seigneur, tombe sur moi. Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Parmi nous, Dieu sauveur, Emmanuel, Emmanuel, Dieu souverain, Dieu rempli d'amour, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Alors bien-aimé, avec moi, je veux que tu fasses monter cette prière en ce matin, alors que tu es en train de vaquer déjà à tes occupations, que tu es déjà sur ton lieu de travail, tout simplement de là où tu es. Tu peux le faire à haute voix, tu peux le faire dans le silence de ton cœur. Mais je veux que tu fasses cette prière avec moi. Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, en ce matin, je t'appelle du plus profond de mon âme. Emmanuel, dans mon état, je t'attends. Emmanuel, pour ma vie, je t'attends. Car il est impératif que tu viennes encore ouvrir ton ciel dans ma vie. Ouvrir ton ciel dans ma vie pour une autre pluie de délivrance, pour une autre pluie d'amour, pour une autre pluie de libération. Emmanuel, par ta venue, j'ai besoin que tu viennes toucher encore. Me toucher au plus profond de moi. Emmanuel, 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 Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Telle est la prière que nous t'adressons ce matin. Tel est le soupir de nos cœurs, de nos âmes en ce matin, Emmanuel. Marie, prends-nous et dépose-nous aux pieds de ton Fils. Prends-nous tels que nous sommes et dépose-nous aux pieds de ton Fils. Alors, bien-aimé, c'est dans cet élan de paix, d'espérance, que je te souhaite de passer une agréable journée. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.